Accueillir les émotions difficiles. Installez-vous confortablement dans une posture digne et confortable. Le dos droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré et la langue au palais. Si vous êtes assis sur une chaise, ayez vos deux pieds bien à plat sur le sol. Et si vous êtes assis sur un coussin, veillez à ce que vos deux genoux touchent le sol. Et mettez-vous plutôt sur le devant du coussin, de sorte que votre bassin soit incliné vers l'avant et vous permette d'avoir vos deux genoux qui touchent le sol. Puis, portez doucement votre attention sur votre respiration telle qu'elle est, ici et maintenant. En remarquant si elle est plutôt calme ou plutôt agitée. Portez simplement votre attention sur votre souffle tel qu'il est, sans essayer de le changer, de le ralentir, de le compter. Juste prenez conscience de votre respiration telle qu'elle est, ici et maintenant. Et portez votre attention sur vos sensations corporelles, en sentant s'il y a des tensions, des contractions que vous pouvez laisser se dissiper sur l'expiration, et en relâchant tout ce qui n'a pas besoin d'être tendu, contracté, comme les muscles de votre visage, votre mâchoire, vos épaules, vos bras, votre dos, votre ventre, vos jambes, vos mains. Puis tout doucement, vous pouvez porter votre attention sur une situation qui vous stresse ou qui génère une émotion ou un sentiment désagréable, comme de la peur, de l'anxiété, de la colère, de la tristesse. Et lorsque vous pensez à cette situation, faites un arrêt sur image et portez votre attention uniquement
sur les sensations corporelles. Quand vous ressentez cette émotion ou ce sentiment désagréable, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Où cette émotion se situe dans votre corps? Est-ce que vous la ressentez plutôt au niveau du ventre, de la poitrine, de vos épaules, de votre tête? Où l'émotion se manifeste? Et tout doucement, je vous invite à vous rapprocher de cette sensation physique, corporelle, et de mettre toute votre attention sur l'état intérieur, sur la sensation physique, et de ressentir, d'enlever toutes les étiquettes, toute l'histoire que vous vous racontez à propos de la situation, le jugement que vous pouvez mettre sur ce que vous êtes en train de ressentir comme ça ne devrait pas, je n'aime pas. Et votre propension à rejeter une émotion désagréable. Dans cette méditation, je vous invite au contraire à l'accueillir et à l'accepter, en lui ouvrant la porte et en lui permettant d'exister et de se mouvoir dans votre corps. En permettant à l'émotion de se déplacer, de prendre sa place comme une vague, de la laisser monter et de la laisser se dissiper et retomber. Et je vous invite à vous rapprocher de la sensation physique. Peut-être une contraction, peut-être une oppression, et de respirer dans la sensation désagréable. Vous allez respirer avec, en lui permettant pleinement d'exister, en n'essayant pas de la réprimer, en n'essayant pas de vous sentir mieux, plus détendu, de vous rendre ailleurs que là où vous êtes maintenant, et de vous détacher de toutes les étiquettes, encore une fois, que vous pouvez coller sur cette expérience, et de faire comme si vous découvriez cette sensation pour la première fois, sans la juger, comme si vous ne saviez pas ce que c'était que le stress, la tristesse, la peur, la colère, et vous allez observer, ressentir dans le corps comment cette émotion se manifeste dans votre corps, juste en étant pleinement présent à la sensation physique, en lui permettant d'exister, de s'élever et de retomber. Et vous respirez avec. Et n'ayez pas peur. Une émotion, c'est juste un mouvement, juste une énergie qui a besoin de circuler. Alors peut-être que la sensation va bouger dans votre corps, va se déplacer, peut-être qu'elle va s'intensifier. Quoi qu'il se passe, laissez faire, ne réprimez pas, ouvrez les bras à ce qui se présente, laissez monter la vague. Et une fois que la vague aura atteint son maximum, elle se dissipera, elle retombera. Faites confiance au processus, faites
Faites confiance à la sagesse de votre corps qui sait ce qu'il doit faire. N'intervenez pas, juste laissez faire. Accompagner la sensation. Restez avec, soyez avec elle. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre cet enregistrement sur pause jusqu'à ce que vous sentiez que le processus est terminé. À la fin, peut-être que vous pourrez goûter un silence, ou peut-être qu'une demande va émerger, un besoin. Laissez venir. Et laissez parler votre corps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire? Une action que vous aimeriez poser, ici et maintenant? Ou au contraire, juste goûter la paix?